Tu veux me surveiller? Dans ta propre maison, tu ne peux pas t'asseoir. À peine tu viens d'entrer, te revoilà en train de partir. Asseyez, je suis ton bébé. Wende, Wende, toi tu vas pas changer. Toute ta vie là, tu vas la passer comme ça. Ah. Moi, je m'en vais à l'église là, c'est pas ce que tu es en train de me dire. Tu vas où? J'ai dit, je vais à l'église. Tu vas à l'église. Et madame, depuis quand tu vas à l'église dans cette maison, toi? Ah bon? C'est-à-dire, tu as menti jusqu'à maintenant à ceci, Dieu lui-même t'est arrivé. Pardon, faut pas mettre mon nom dans la bouche. Toi, tu es sûr que tu vas à l'église là où tu es là? C'est sur une église, c'est comme ça là. Dieu te voit. Ce que tu cherches là, tu vas trouver, il faut faire. Non, tu me maudis. Mais je te dis une seule chose. Ne m'apporte pas de maladie ici. Tu as compris? Pourquoi m'envoyer de maladie, mais... Non, à l'église là, c'est là où on distribue maladie. Quand tu allais me prendre chez mes parents là, j'étais bien content. Ne m'apporte pas de maladie. C'est tout ce que j'ai à te dire. Ah bon, donc, c'est à l'église là où on distribue maladie. Parce que tu vois, tu es païen là. Moi, je suis païen. Comment ça? D'ailleurs, je vais attendre, mais c'est de minuit là. Comment je me suis bien coiffé? Un nouveau produit tout frais même. Cette sortie là a tout gâté. En tout cas, elle va payer sa chère, même, elle ne connaît pas. Voilà l'heure, il s'est fait maintenant. Alors, je préfère la trouver en place. Qui est là? Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Elle est dedans, puis elle a fait quoi? Pardon, il y a longtemps, je ne te vois pas. Non, j'étais en voyage. J'étais en voyage, c'est faux. Je n'étais pas en voyage. Comment tu t'es en voyage? Tu n'étais même pas en voyage. Lui. Pardon, bon, c'est qui est là? Je ne veux pas, je vais rentrer là. Non, faut pas, en voyage. Faut pas faire ça. Pourquoi? Tu veux me créer des problèmes. Hein. Faut pas pourquoi? Faire ça. Pourquoi? Je vais pas... rentrer. Je te pardon, c'est quoi? Je ne veux pas. Pardon, je vais pardon, pardon. Quel pardon? Tu me demandes quel pardon? Pourquoi? Attends, tu veux quoi? Pardon. Je veux te voir, j'ai besoin de toi. Je veux qu'on parte ensemble aujourd'hui. Bon, donc, c'est qui est là? À 16h, je viens là. Pas 16h, c'est ma. Non, 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 on a eu une réunion de famille. Pardon. Allons ensemble. Pourquoi tu dormi sur... J'ai dit, oui, mais le propriétaire de la maison, il a dit quoi? Quel propriétaire? Je ne le connais même pas. Oh, j'ai dit, où tu dors là? C'est quoi ça? Ce n'est pas moi qui fais. Mais c'est que toi, tu fais, mais depuis là, tu devais venir à la maison. Qui va payer pour moi? Non, non, mais je te demande là. C'est mon papa qui a payé pour moi. Tu veux manger quoi? Bon, voilà 10 000 francs. Il faut manger. Quoi? Prends poulet. Tu prends poulet, je viens là. Non. Faut pas faire ça, c'est quoi? Je ne te vois pas là. Il est rentré là-bas. Non, non, non. Bon, je viens à 16h. Au nom de Dieu, fais-moi confiance. Si je ne te vois pas à 16h, je serai devant ta porte. D'accord. Je suis. Tu as compris. Je suis d'accord. Pas faire ça. Pardon. Les filles d'Abidjan, c'est pas possible. Chérie, avec qui tu parles ici? Non, vraiment, les gens, à faire de demander maison là, vraiment. Il y a un monsieur là, lui, on l'a affecté tout récemment, il cherche une maison. Ah. C'est lui qui, vraiment. En fait, des maisons à Abidjan, c'est tellement difficile. Ah. Lui, c'est pas ça, il cherche une maison. Ah, maman. Flore, oui, c'est lui-même. Comment ça va? Je te remercie hier pour le coup de fil. Hein. Oui, oui. Tu sais, j'étais avec ma femme. Oui, oui. Non, 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 je n'étais pas sorti pour aller voir une femme. On avait une réunion. J'étais rentré aux environs de 18h, après je suis ressorti. Oui, oui. Donc, on fait quoi? Hein? Oui, attends, ne quittez pas, hein. Sans faute. Bonjour, ma soeur. C'est à cause de bonjour, vous me suivez depuis madame. Ah, mais est-ce bonjour, c'est un mal? Bonjour, monsieur. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Non. Vous ressemblez à une femme que je connais. C'est pourquoi je vous dérange. C'est pour ça que vous me suivez depuis là. Oui. Cette femme-là, c'est pas moi. Ah bon? Vous vous trompez. Ah bon. Oui, mais je voulais un autre renseignement là. Vous êtes du quartier? Monsieur. Oui. Vous êtes perdu? Non, non, non. Regardez sur votre nom. Oui, je sais bien qu'il est l'heure du marché. Il est l'heure du marché? Oui. D'accord. Si actuellement votre femme ne prépare pas là, moi, je dois préparer pour mon mari. Donc,
Donc, excusez-moi. Bon, ça veut dire que vous êtes mariée, quoi. C'est ce mais que vous bien sûr, me faire je entendre. Suis fière de dire que je suis mariée. Est-ce que vous êtes fait pour lui, ce... Hein? Hé! Hey! Hein? Hey, qu'est-ce que vous pensez? Là, demain, il va vous laisser... Il va vous laisser tomber demain. Il va me laisser... C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Tu m'as laissé tomber là, c'est pas toi qui vas me relever. Et puis ce matin là, faut te méfier, hein, sinon ce que tu cherches là, tu vas avoir. Avoir quoi? Tu vas avoir ce que je vais te dire là même là. Toi-même, tu vas connaître. Mais tu ne vas plus jamais arrêter une femme. Moi, les parents ne me disaient rien. C'est que tu n'as pas honte. Un homme de ton genre là, il ne doit pas s'arrêter dans la rue actuellement pour draguer les femmes sur la rue du marché. Ah bon? Oui. Les vrais hommes là, on les trouve au bureau. Le bureau là, il y a quoi dedans? Il n'y a rien. Le bureau là, ils sont responsables. Quel est responsable? Peut-être qu'il a dit la même qui a prêté pour venir t'arrêter. Merci. C'est Mignan qui est dedans. C'est Or qui est dedans. C'est Or. Viens chercher Or là, tu vas trouver tout de suite. Bonjour les filles. Bonjour. Oh, je suis fatiguée aujourd'hui. Avec toute cette course. Je n'ai pas pu faire mon maquillage. Alors ma chérie. Bonjour, ah, ça va? Oui, ça va. Ça va? Ouais. Mais vous êtes seule aujourd'hui? Oui, je vous avoue, j'ai préféré ça. Alors qu'est-ce que je peux vous offrir? On va prendre un avocat. Ah, d'accord. Parce que moi, ça m'arrange aussi, vous êtes... accompagné, vas-y. Moi, j'ai bien la clientèle. Oui. C'est vrai. Ma chérie, voilà. Ah, merci beaucoup, garçon. Est-ce que je peux vous servir? Oui, pas de problème. C'est elle-même qui m'a donné le nom d'ici. Elle est dans ce quartier, mais je ne sais pas où. Ah. Donc on va patienter un peu. Il faut patienter un peu. Non, mais si elle a fait ça. Tu as quelle heure là? Il y a quand même près de 1h30 de minutes passées. Tu as vu. Parce que on va attendre jusqu'à 2h du temps. Comme c'est l'heure africaine peut-être. Ouais, 2h du temps, on va voir. Ah, mais si elle m'a fait ça là. Peut-être qu'elle a eu un empêchement en route. Elle peut venir. Parce que hier même, je suis avec ma femme Moni, mais je ne pensais qu'à elle seule. Mais c'est vrai, je te dis la vérité. Parce que là, les trucs même, tout est debout comme ça. Hé, la cabrine, elle a quoi en haut? Ah, ok. Bon, c'est mon goût, hein. Donc, on est à l'instant? Ouais. Ah, vraiment, mais si elle a fait ça là, vraiment, c'est ces gens de filet n'ont pas leur place à Bidjan ici. Bazo, pardon, reviens là. Mais tu sais, je comprends pas. Tu sais, c'est très difficile pour moi de sortir. Ma femme, elle est très jalouse. Ouais, donc, j'ai tous les problèmes. Ouais, je suis là. Mon cellulaire, tu te montres tout ça là, j'ai même. J'ai tout oublié. T'es là? Oui, je suis du rendez-vous. J'ai vu. Ouais. Et celle qui est derrière. Ah, elle travaille avec moi ici. Les deux là, non? Non. Là, derrière toi. Là. Ça là. Ouais. Là, c'est pas petite affaire. Hein. Alors, quelle petite affaire? Moi, un boss comme ça, là, tu as me dit. Ou bien, on dit que tu ne me connais pas bien. C'est une grande affaire. Mais quoi? Affaire, c'est quoi? Un directeur des sociétés. Non. Faut pas me faire parler. Tu vas te dire. Ouais, je ne suis pas sorti ici près de toi.
Donc, on fait quoi? Non, mais il faut attaquer. Je mets le paquet. Là, tu dis de pas. Si vous êtes vraiment chaud, parce qu'elle a des conditions. Je dis, je suis chaud. Il faut lui demander qu'est-ce qu'elle veut manger dans un premier temps d'abord. C'est moi qui prends. Elle n'a pas de problème. Ouais, vas-y. Elle est habituée à moi ici. Ouais, attaque, attaque. Comment? Garçon, on le met au monde une fois. Ah, ma chérie. Ouais. Ça va un peu? Oui. Tellement plus du temps, on dirait que je change l'argent au maquillage. T'as cause à vous n'êtes pas encore. Oui. Le truc. Oui. Mon ami, c'est aussi un client fidèle. C'est un boss. Donc il m'a dit de vous voir. Pour vous arranger pour passer. Je ne suis pas ce genre de fille, hein. Je ne suis pas ce genre de fille. Il m'a dit dans un premier temps je suis tellement déçu du comportement des hommes que maintenant, je ne sais pas, je me fais tout ça. Quoi. Lui, c'est un ami, hein. Lui, c'est un homme concret. Au départ, c'était toujours comme ça. Déjà, il m'a dit de vous apporter quelque chose. Bon, si vous voulez, vraiment, je dis, je n'ai pas le temps, on va se voir un autre jour. Non, il faut quand même prendre ce qu'il a commandé. Parce que moi aussi, j'ai besoin d'argent. Non, je sais, mais vraiment, tu sais, les hommes de mon âge ne peuvent plus faire confiance. Non, mais moi, je sais que je travaille sur moi. Vous n'allez pas regretter. C'est quelqu'un que j'ai. Est-ce que tu le connais? Il manque. J'ai dit, c'est un boss. On dit ça, puis après, on est déçu. On est tous des amis, mais là, moi, je ne veux pas. Je veux pas vous brancher à quelqu'un qui. Et qui mouille. En fait, je vais réfléchir un peu au plan de l'eau. Mais il faut prendre le plat de l'eau. Je ne sais pas ce que vous voulez prendre. Il manque quelque chose. Quoi. Voilà. Mais c'est ce qu'il a avancé. Vraiment, c'est un peu trop tôt. Mais en fait, je vais. Donc, je vais. Oui, j'accepte. Ah, d'accord. Donc, vous acceptez aussi le plat. Oui, il n'y a pas de problème. Pour vous apporter. Ça, c'est grâce à toi. Je suis toujours là pour ça. Je ne suis pas ce genre de fille. Ouais, mais je suis là pour ça. Okay. D'accord, je vais. Il faut dire que je suis d'accord, mais. Je suis d'accord. Merci. Merci, moi aussi. Après, il va me voir. Bon. J'ai tout compris. Non, tu es. Bon, mais j'ai malgré tout ici. Ouais, tu peux lui donner tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Ouais, ce qu'elle veut. D'accord. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, il en a parlé de quoi? Elle dit les hommes des ménages. Non, on n'est pas de méchants. Ils ne mettent pas la main dans la poche. Dans la poche? Oui. Non, mais avec moi, ça. Non, mais le reste, vous allez voir ça ensemble. Non, mais ça, c'est rien, ça. Je vais lui donner son plat d'abord. Ouais, ouais. Voilà. Je vais lui demander. Elle a demandé. Je demande de ce qu'elle veut prendre. Tu sais, moi, je suis un peu pressé, je voulais partir. D'accord, je peux vous offrir quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prêt à manger rapidement? Il a dit de prendre tout ce que vous voulez. Bon, ce qui est là, tu l'apportes. Il faut lui dire que je suis d'accord. Omelette, par exemple? Oui, c'est bon. D'accord. Merci, parce que moi aussi, si ça a marché... On est tellement découragés sur la vie. Voilà. Si ça a marché... On n'est pas de tout le monde. Quoi. Ça a marché aussi chez moi. Voilà. Bonjour, ma soeur. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Ça va chez vous? Et chez vous? Moi aussi, ça va. Donc, comment on vous appelle? Moi, c'est mademoiselle Léontine. Ah, Léo. Oui. Ah, merci. Moi, c'est Wendt Pierre. Ah, Wendt Pierre. Mon petit nom, c'est J.R. Joe le Rapide. Ah, J.R. Ouais. C'est donc terrible. Ouais. Excusez-moi. Ah, le plat est arrivé. C'est le plat que mon ami a. Ah, ça, c'est grâce à toi. Voilà. Hein. Merci. Moi, je vous laisse. Ouais, merci beaucoup. Bon, Bado. Oui. On se verra tout à l'heure. Il n'y a pas de boulot. Ouais. C'est un garçon très gentil. Ah, très très sympa. Ah oui, oui. Ah, vous êtes très sympa. Merci, merci. Très sympa, monsieur. Merci. Vraiment, je suis flatté parce que vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Non, non, ça c'est... Un plat comme ça. Ça c'est rien.
C'est rien. Mais quand vous aurez besoin de moi, je n'hésiterai pas. Merci beaucoup. Laisse le temps venir. Oui. Bon, ben comme vraiment j'ai trop travaillé cette nuit, j'ai payé mon personnel, je suis fatigué, donc je voulais aller me reposer un peu. Ici, je suis un habitué d'ici, donc je vais me reposer ici. Ah ben si cela ne vous gêne pas, moi je peux être votre compagnie. Ah oui, mais vraiment, c'est pas un cas de gêne. D'ailleurs, même je trouve ça excellent. Bon, d'accord. Bazo? Oui. Bon, ça fait combien tout ça? Le petit pois, c'est 800. Omelette, 800. Et la boisson, 300. 2100. Ça fait 2100. Ouais. Je suis un comptable de formation. Bon, tu gardes la monnaie pour toi. Merci de force. Non, ça c'est rien ça. Eh ma chérie, merci aussi. Ouais. Merci aussi. Bon, on peut parler. Qui est là? J'arrive. Oh. Qui est là? Ah. Je suis fatigué. Ça va? C'est un jeune travail qui s'appelle Adokafré. Ah, tellement que j'ai aimé son nom. Non. Bon, je vais prendre une douche rapide là. Ok, moi je vais me reposer un peu. Ah, bon, ok. Le travail. Tu ne travailles pas, ton nom est gardé. Tu travailles aussi, il y a trop de problèmes. Mais vous les hommes là, vous souffrez. Oh, nous souffrons, hein, nous souffrons. Tout un homme d'affaires comme ça. Ah, oui. Je suis toujours parti, hein. On peut la mettre ici. Ah oui, il faut la mettre là. Faut pas te gêner. Oh. Maintenant c'est. Oh. Peu. Bien. Alors ça. Merci. Je vais prendre une couche rapide. À tout à l'heure. C'est ce tombe là même. Et s'il a, il a l'argent. Où il a mis son argent? Je vais sortir l'argent tout à l'heure là. Où il a mis ça? Où il c'est pas pour lui? Il avait de l'argent tout à l'heure là. Il croit que je suis. Et
Dieu merci pour ça. Ça, lui là, il va chercher vrai ça. J'ai trouvé mon pognon. Et parce que c'est comme ça, quoi. Parce que l'argent, il y a beaucoup de manières de chercher. Hey, mon fils, c'est ma manière. Chercher aussi l'argent. Là, ça va. Les amis qui allaient là, ils croient que l'argent, il n'y a plus de moyens pour chercher maintenant. Et toi, les deux là, c'est bien. C'est fini là. Bien. Viens, tu vas trouver ça là, trois fois plus gros que pour toi là. Il ne pas qu'à Bigala, il y a une autre manière de chercher l'argent. Ça, c'est le métier là de l'espoir. Je vais prendre ma douche maintenant. Mon Dieu, tu n'es pas blessé au moins? Non, 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 je ne suis pas blessé. Et Dieu merci. Je ne suis pas blessé, mais c'est merci. Comme je suis mort. Oh, Yaku, Yaku, mon chéri. Fini. Yaku. En tout cas, le pays est gâté. C'est Yaku. Gâté complètement. Calme, 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 mon chéri. Devant les gens, personne ne peut réagir. Oh, calme-toi. Je suis mort. Dieu merci. Là, je suis mort. Ma chère, je t'ai rien dit. Tu connais le monsieur qui s'appelle Wintin Tepierre là? Et c'est pas si Wintin Tepierre ou il sait pas qui là. Tu te rappelles pas de son nom? Il nous a même dit son nom. Ah oui, je me rappelle de lui. Ma chère, cette histoire là, c'est une histoire vraie. Vraie, hein? Je te dis, mon petit frère même allait voir ça. Il a pris une femme, les soins là à l'hôtel. À l'hôtel, hein? Quand il s'est déshabillé, il était assis. La gosse s'est déshabillée dans la douche. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il voit c'est qui? Un homme. Un homme? Vraiment, c'est étonnant. C'est bien fait pour lui, il n'a pas dit une femme. Sato! Action! C'est bon. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est chez Wintin Wintin? Oui, c'est chez Wintin Wintin. Tu voulais le voir? Vous voulez le voir? Oui. Entrez. Et c'est pourquoi? Je voulais le voir lui-même. Mais Wintin Wintin n'est pas là, il est sorti. Je peux savoir de quoi il s'agit? En tout cas, c'est un secret personnel. Ah bon? Mais ne vous en faites pas, vous pouvez me dire, il n'y a pas de problème. Hein? Moi je suis sa petite soeur, il n'y a pas de problème pour me dire. D'accord. Vous êtes sa petite soeur? Oui, je suis sa petite soeur. Il n'y a pas de problème. Bon. Il a laissé ses habits dans notre hôtel. Ah, d'accord. Ses habits, hein? Mm-hmm. Dans votre hôtel. Ça fait, je suis venu lui donner. Ah, d'accord. Et c'était quand ça? Enfin, je ne me rappelle plus le jour, hein? Ah bon? D'accord. Ok.
Ben, merci bien. Merci. Comment vous appelez? Ado Kafle. Ado Kafle. Mmh. D'accord. Ok. Merci bien, Miss Ado Kafle. Au revoir. C'est gentil. Checké. Moute. Il me dit qu'il a été agressé par des bandits. Oh, c'est dans un hôtel, aller laisser ses habits. Okay. Il viendra me trouver ici. S'il vous plaît. Bien sûr, je vais vous les laver. S'il vous plaît, est-ce que je pourrais les avoir dans la journée? Oui, vous pouvez les avoir. Vous pouvez les avoir. Je voudrais vous demander un service. Oui, madame. Est-ce que vous pourrez me faire un emballage cadeau quand vous aurez fini? Un emballage cadeau? Oui. Je vais faire un cadeau. Bien, ne fais pas l'emballage cadeau, pressing. Hein. Mais pour vous rendre service, je vais le faire, mais ça va vous coûter un peu plus cher. C'est pas grave, je vais payer. C'est pas grave. D'accord. Fait 6 000 francs. 6 000 francs. Merci. Je peux vous demander un dernier service? Oui, madame. J'aimerais que vous mettez ces chaussures dans l'emballage cadeau. D'accord. On va vous rendre ce service. D'accord. Merci bien, monsieur. Merci, madame. Bonne journée. Merci. Où tu as mis mon seuil dedans? Ça est dans la chambre? Oui. J'oubliais.
J'ai une surprise pour toi. Bien avant que ta soeur ne vienne. Là, voilà. Qu'est-ce que c'est? C'est un cadeau pour toi. Merci alors. Mange-toi. Tu nous vois? Laisse-moi manger d'abord. Non, il faut ouvrir d'abord. Oh. Et si c'est un dessert? Non. C'est ça les bandits m'ont agressé. Hein? C'est ça là. C'est ça là les bandits m'ont agressé. C'est ça. Mais. Hein? C'est pas pour toi. Non, ça c'est tu pas. Tu sais pour... pas où tu as laissé. C'est pas pour moi. Hein? Ça là, c'est pas moi qui ai payé ces chaussures là. C'est pas moi qui t'ai acheté ces non, chaussures. Non, il faut dire que les bandits, hein? ils ont retrouvé ça. Ils ont retrouvé, pardon. J'ai dit, ils ont retrouvé. Ils ont retrouvé. Et c'est quoi, dites-le, c'est quoi? Dites-le avec moi. L'appareil qu'il a réparé hier, aujourd'hui, on le joue, la cassette est bloquée dedans. Non, mais c'est pas possible. Ça, normalement, on peut pas permettre à n'importe qui de créer un atelier. Chérie. Qu'est-ce qui se passe encore? Tu parles de l'autre. L'appareil qu'on a réparé, je crois que c'est avant-hier. Oui. La cassette est bloquée dedans? Ça ne marche pas. Oh, vraiment. Mais c'est pas grave, tu vas leur amener ça. Mais à savoir, s'il connaît son travail. Oh, pour fatiguer les gens. Ah. Chérie. Oui. C'est pour mon salon de café. On dit quoi? Non, mais ça, c'est une affaire classée. C'est moi qui te l'ai promis. Et j'ai même fait un prêt bancaire, une brique 500. C'est vrai ça, mon chéri? Ah oui, mais je ne peux pas te mentir. Oh, merci, ouais. Mon chéri, tu es un amour adoré. Oh, qu'est-ce que je suis heureuse. Bon, mais ça, à la longue, même, je peux te donner encore un peu d'argent. Parce que le salon, il faut le luxe. Et c'est celui qui attire la clientèle. Mm-hmm. Donc je le ferai. Hein. Ça c'est vrai. Ouais, pas de problème. Yannick. Mais Yannick, maman, apporte-moi le casque dans ma chambre, s'il te plaît. Chérie, c'est chérie, tu m'appelais. Ce n'est plus loin de moi, tes pieds. Coco, s'il te plaît. Merci. Momo. C'est que je t'ai fait la surprise. Ah bon? Oui. Tu m'as trouvé une nouvelle femme. Je me suis débrouillée pour m'acheter un casque moi-même. Ah. Mais j'ai vu ton courage. Ouais, en fait, il n'est pas neuf. Hein. Non, mais vraiment, c'est en bon état. Hein. Bon, il l'a utilisé seulement pendant 2 mois. Oui. Il est quand même assez neuf en fait. Mais non, celui-là peut faire même 5 mois. Hein. C'est bien en forme. Ah, merci beaucoup. Tu m'as avancé. Hein? C'est pour t'aider à m'aider, mon cher. Oui, c'est vrai. Sinon, vraiment, j'y pense. Hein. Mais je voulais te faire une surprise, mais comme tu m'as demandé, voilà. D'accord. La raison pour laquelle je t'ai dit, sinon. Tu sais, je suis tellement impatient d'avoir mon salon. Et d'ici la semaine prochaine, je te donnerai la brique et demi. D'accord. Merci, mon chéri. C'est un amour adoré, non? Je mérite ça. Merci, mon chéri. Thank you.
Bazo. Hey, comment va? Tu es en train de fouiller. Mon cher, c'est celle-là qui nous dépasse de temps en temps. C'est vrai. Tu as vu ce que j'ai apporté là? Mon cher, tout le monde est passé par là. Ce que j'ai apporté là? Ouais. C'est ici, j'avais pris ça. C'est le gars même là. Ouais, ouais, c'est lui qui est là. Tu as vu ça là? Ah oui, ça c'est bon. Ça va? Mais où tu as quitté comme ça là? Ah, je suis quitté chez mon tailleur là. Ah, bon. Celui qui est. Ouais. Celui qui est en bas là. Ouais. Mais j'ai dit. Je t'ai vu avec une petite la fois dernière là. La semaine dernière, tu t'as accueilli une qui avait les paires de lunettes. Tu portais une paire de lunettes là. Ah c'est Koki, Koki. Ah mais elle est charmante, hein. Ah, oh. Mais c'est ma camarade. Ah non, c'est ma camarade. Tu sors avec elle. Non, 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 non. Tout sauf ça. Ah bon? Non, c'est ma camarade. On se confie tout. Ah tout, bon? Tout, 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 tout. Mais en fait, tu voulais te chauffer ou bien? Je suis trop, je suis trop chaud. Par exemple, tu demandes, c'est pas clair. Mais je dis, je l'ai vu là, jusqu'après, il dit ça, si c'est pour Bazo, ça, il m'a tué. Mais hier même, on était ensemble, il fallait me dire. Ah, moi, j'ai été touché par l'hésitation. T'as hésité? Ouais. T'as pas de plan, si tu veux. Ouais. Si tu veux. Bon. Si tu veux, je vais te brancher. Tu vas me brancher. Tiens, tu vas acheter. Tu as des billets pour acheter des billets. Bon. Quand il va rester, il ne va pas enlever l'argent. Il faut payer. Bon, merci, merci. On non. Fait rien au hasard. Je vais aller là-bas tout de suite même. D'accord. Tout de suite même. Il faut que tu aies un bon résultat. Hein. Compte-moi. D'accord. Voilà. Qui est là? Viens, 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 je suis content de te voir. Mais y a quoi? Mon cher, viens. Je viens te voir et toi aussi, tu dis. Et j'ai des problèmes, mon cher. Tu sais? Et ta vieille? Elle est sortie. Tu sais? Il y a un vieux qui dit qu'il veut m'épouser. Et mon papa a dit. Un quoi? Un vieux. Mon papa a dit que si le vieux fait mon salon, il peut m'épouser. Alors que je ne l'aime pas. À cause du salon, on va te donner un vieux forcé. Le vieux aussi dit, il n'y a pas de problème qui peut faire mon salon. Hé, Bazo, pardon pour m'aider, je ne l'aime pas. Aide-moi, Bazo. Non, j'ai compris. J'ai compris parce que de nos jours, il faut aller avec quelqu'un que tu aimes. C'est ça. Enfin, comme tu l'as dit, la nuit porte conseil. Donc, il faut me laisser un peu de temps. Il n'y a pas de problème. Je vais y réfléchir. Mais je sais que ça va se régler. Sur terre, là. Il n'y a pas de problème qui n'a pas de solution. C'est ça. Tu sais, entre nous deux, il n'y a pas de secret. On se dit tout. Voilà. Donc, c'est un problème que tu m'as déjà confié. Moi aussi, je vais chercher de mon côté. Voilà. Parce que moi, je ne veux pas en train de te voir avec un vieux là. Et tu vas rester toujours là, en train de. Comme une vieille femme là. Parce que toi aussi, tu vas vieillir dedans. Hein? Bon, je vais. Tu t'en vas. Ouais, ouais. Je vais aller chez mon ami là. Tu sais, moi aussi, j'ai. Je lui avais confié mon pas. D'accord. Non, tu as un problème. Moi aussi, j'ai un problème de l'autre côté. Ah, d'accord. Voilà. Que Dieu nous aide. Bon. Mais c'est que je t'avais confié ici. Là. Quoi ça? Jusque là, il n'y a pas de résultat. Quelle chose là? Ta camarade là? Ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. T'as compris? Non, j'ai compris. Je compte sur toi. Non, il n'y a pas de problème. Ça va se régler. D'accord. Alors, madame, moi ça. Bazo! Bonne arrivée! Mais est-ce que la grande forme? Ça va? Merci beaucoup. On dit qu'elle va. Enfin, j'ai des problèmes, comment on fait? Les temps sont devenus tellement durs. J'ai une panne. Maintenant là, on est obligé de rester sur place. Tu vas aller chez quelqu'un, il va dire, ah, donc vraiment, chacun reste dans ta coquille. Non, quand même, t'es chez toi ici. Ah, d'accord. Hein? Enfin, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que tu as été très gentil. Mais c'est moi ça. Allons, t'as ta sage, t'as pas ta voix. Mon bureau là, ça va. Et mon titre. Il est dedans. Alors, Baza. Comment? Comment? Ça fait bien. Mais tu la nourris bien. Ah oui, non, mais avec moi, il n'y a pas de problème. Hein. ça va un peu? Ça va. Vraiment, j'ai appris que tu étais malade, tout ça là.
Mon cher, vraiment, il faut accélérer pour mon problème de non, port. Non, non, ça, je vois ça. Je vois, j'ai vu, j'ai déjà dit ça à mon ami. Je voulais profiter même d'arriver chez toi là-bas. Ouais, ouais. Parce que où je suis là même, bon. Vraiment, ça ne m'arrange pas. Lidaka, je vais voir mon ami là pour son problème. Bon, là. Ma chérie, ouais. On fait ça. D'accord. À la prochaine. Non, il n'y a pas de problème. Pas tirer ça, revenir. Comme tu l'as dit, je venais régler ma menace. Non, mon cher, il a réglé mon problème. Il n'y a pas de problème. Ah bon? Parce que si j'ai eu la go là, si je l'ai eu, le cadeau tu mérites, tu vas l'avoir. Mais il faut dire que j'ai déjà ce cadeau. Ah bon? Parce que tout est déjà arrivé. Ah bon? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de problème. Mais elle dit quoi? Non, tu sais, pour t'accepter, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, son problème, elle veut ouvrir un salon de coiffure. Or, les parents n'ont pas les moyens. Toi, tu me comprends, non? Oui, non, voilà. Je t'écoute. Bon. Présentement, il y a un vieux qui est chaud sur elle. Et par rapport à ça, les parents sont prêts à accepter. Ah, non, 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 ils ne peuvent pas accepter. Comment? Mais toi, tu lui as dit quoi? Non, mais il fallait que je te voie d'abord. Ah, non, mais ça, tu pouvais prendre ma défense. Tu as aussi trop tu as aussi trop de charges. Mais est-ce que les charges, là, ça c'est quoi? Ça, donc, c'est un nouveau truc. Donc, tu peux ouvrir son salon. Si c'est problème de salon, il n'y a pas de problème. Tu allais accepter ça avant moi-même. Ah, donc de lui dire ça. En tout cas, je lui promets d'abord un casque. Et la semaine prochaine, je lui donne 500 000 francs pour ouvrir son salon. En attendant. Non, mais c'est pour ça qu'il y a problème dedans. Mais y a... Et c'est pour ça qu'on va lui donner à un vieux. Mais non, si, non, non, non. Mais si c'est ça, il faut dire qu'elle a accepté. C'est pas la peine de rire. J'ai dit elle a accepté, c'est tout. Ah bon, mais voilà. Si elle a accepté, là, je suis d'accord. Mais quoi qu'il y ait déjà, elle t'appartient déjà. Bah, tu as tout réglé. Merci beaucoup. Voilà. Mais j'aurais souhaité que tu viennes. Il faut tout faire. Si tu lui remets... Attends, les billets ont des oreilles. Ouais, ouais. J'ai dit, continue. Tu fais tout. Si tu lui remets le casque, en même temps, tu lui donnes les 500 000. Non, mais j'ai dit, il n'y a pas de problème. Ah, donc... Il n'y a pas de problème. Donc, on peut aller. Parce que je vais... Toi, tu vas où, maintenant? Bon, on va le prendre un pot. Ah, ça me ferait plaisir, il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Bon, c'est pas la peine de prendre la voiture, parce que c'est tout près. Ouais, allons, allons. Ouais. Où j'ai laissé la clé de ma voiture? Je sais pas. Chérie. Oui. Tu sais quoi? J'ai fait un rêve hier soir. Et qui était mort? Non, chérie, personne n'est mort. Chérie, je me suis vue dans mon salon. Tu étais quoi? Mon salon de coiffure. Tu ne peux pas t'imaginer. Ah bon? Oui! J'étais assise dans mon salon entourée de toutes mes coiffeuses. C'était tellement beau. Mais malheureusement, ça ne m'intéresse plus. Quoi? Ça ne m'intéresse plus. Attends. Qu'est-ce qui ne t'intéresse plus? Le salon de coiffure. Parce que c'est un moyen pour les femmes de chercher garçons. Mon salon? Non, ça c'est... Mais tu m'as promis! Non, je t'ai promis, mais vraiment, je désolé. Non, tu ne peux pas me faire ça, je t'en prie. Comme ça? Parce que j'ai un ami là, sa femme, c'est une coiffeuse, mais c'est une occasion pour elle de faire tout ce qu'elle veut. Mais tu peux pas me faire ça! Et je te le jure, elle est toute dans les débauches. Donc moi, vraiment, excuse-moi, mais les coiffeuses, ça ne m'intéresse plus. Mais bon, tu es ma femme, mais je peux faire autre chose, mais la coiffure, non. Excuse-moi, quoi. Mais je rêve! Seigneur, qu'est-ce que je fais au bon Dieu? Non, c'est pas vrai. Donc tu pleures. Bon, après l'enterrement, je te dis, moi j'amène mon frère au pressing. Comme tu pleures là.
quelle heure? Il va venir. Il faut même pas t'inquiéter. Il y a mon talon sur mon sang. Et peut-être avec celui-là, je prends souvent les deux. Alors, elle se quittait là. C'est ton casque. Merci. Ah, merci de t'en faire. Bon, on va laisser ça. Quoi? J'avais en plus. Et, bon. Merci beaucoup. Le temps en est. J'ai dit, il est concret. Merci. Voilà. J'ai dit. Attends, j'ai dit. Attends. Tu as vu ça? Regarde ça bien. Ferme. Voilà, j'ai dit. Il faut tout faire. Tu vas lui donner rendez-vous. Voilà. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça, il n'y a pas de problème. J'ai dit bien rapidement. Bon, il faut pas. Il regarde déjà ce qu'il a fait là. C'est samedi. Samedi? Oui. Il n'y a pas de problème? D'accord. Je vais lui dire. Je vais lui dire. Samedi? Oui. Tu vas le voir. Vas-y, merci. Vraiment, tu m'as sauvé. Voilà. Bon, donc, on se croise. On se croise chez Bernard là. Bernard. Voilà. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je vais lui en parler. Merci, Vazo. Faut bien attraper, hein. Vraiment, ça va. Parce que ça va, c'est cher. On trouve ça comme ça. Vraiment, merci. Ouais. Je suis dépassé. Elle était contente. Je suis tellement joyeux, même dépassé aussi. Oh, ça, c'est rien, ça. Elle était tellement contente jusqu'à elle aussi, elle est dépassée. Ah bon? Vraiment. Mais est-ce que tu sais que tu m'as surpris? Mais je te l'avais dit, hein. Mais j'ai plus parlé que tu te présentais. Un homme doit avoir une parole. C'est pas possible. C'est très important dans la vie. Non, je suis fier de toi. Ah bon? Est-ce que tu sais que. Elle m'a donné rendez-vous. Elle veut te voir ce week-end. Un rendez-vous pour toi. Mais ça, c'est une grande première. Ah, c'est rare aujourd'hui, hein, de nos jours, de donner rendez-vous. Hein. C'est parce qu'elle est dépassée. Ah bon? Elle est dépassée. Moi-même, je suis heureux, je suis fier. Tu m'as grandi. Mais, on va monter, on va parler. Ouais. Parce que vraiment. Vraiment. Oui, mais comment on fait ce rendez-vous-là? Parce que tu sais, ma femme qui est là, vraiment... Je n'avais même pas pensé à ça. Hein. Oui, mais c'est rien. On peut elle est très jalouse. Oui, mais ça, c'est rien. Cette vie, il n'y en a pas. Si je savais, j'allais lui dire, ensemble, on allait chercher. Non. Il faut que maintenant, on cherche. Bon, par exemple... Parce que il faut qu'on s'arrange du sol, que tu sais, quand c'est nouveau, quand c'est nouveauté comme ça. Ah non, on ne rate pas, hein. Ouais, Non. Les jours dépassent, ça, c'est pas bon. Non, ça, on doit rester dedans jusqu'au lendemain. Tu peux prendre 2 jours même. C'est exagéré, là. Bon, ce qu'on va faire, et si je lui disais que je vais en mission? La mission, là, c'est bien, mais tu sais, souvent, il y a les collègues de service. Il passe de temps ouais. Si elle trouve un comme ça, ouais. Voilà. Si elle, bon, si... ça va tout gâter. Voilà. Donc, moi. Tu proposes quoi? Voilà. Je veux souhaiter que tu dises. Tu sais, c'est ton frère, ton petit frère, il a ben ouin, là. Vieux foulard. Oui, il a ben ouin. Ah, oui, il a ben ouin. Bon. Mais ce qui est sûr, elle ne pourra pas aller là-bas. Elle ne pourra pas aller là-bas. Donc, ouais, mais là, c'est ce cours à jouer. Bon, ce qu'on va faire. Je vais dire, mon petit frère vieux frère est malade. Voilà. Et toi, tu vas venir m'apporter les informations. C'est ça. Au moment où je ne suis pas là, tu vas t'entretenir avec elle. Non, je viens même annoncer la nouvelle. Voilà. Je dis, c'est moi qui viens te dire. Tu as trouvé. Voilà. Tu as trouvé. Que vraiment, que moi aussi, je viens de Benouin. D'accord.
mes pieds. J'ai tes pieds. Que je suis fatigué. Yako. Bon, on choisit. Vraiment. Ça va? Vraiment. Il me voit très jeune même. Il me voit très jeune à ta compagnie. La vieille là, tant pis pour elle. Ah, laisse-la là-bas. Mais, bien plus maintenant. Moi? Non. Ah, tu es le seul. Je suis le seul. Oui. Bravo. Moi, il me voit plus. En train de draguer une autre fille sans toi. Ah bon? Non. C'est fini ça. C'est fini. Il laisse mon unique entretien. Sans toi, vraiment, je vois que ma vie n'a pas de sens. Je merci à vous. Et vraiment, nous allons faire la belle vie. Si on s'agit. Bon, samedi, on va danser. Samedi. Demain, on va trouver. Ah bon? Oui. Il n'y a pas de problème. Merci. Mes cheveux sont déjà mouillés, maman. Oh, je t'ai gagné, premier. Je suis premier. Je suis... Vraiment une chance. Si je n'étais pas parti, c'était fini. Vieux Boula était mort, complet, complet. Dieu merci que tu es parti. Jusqu'à présent, il ne parle même pas. Oh. Il ne parle pas, donc bon, je n'avais pas eu de permission. Je suis venu, demain je vais aller au service, ils vont me donner, moi c'est une semaine. Parce que je vais l'amener à main. J'attends la fillette. Elle allait chercher les choses dans la voiture. Oh, vraiment. C'est ça, vraiment. Grand frère, tu es arrivé déjà? Viens, Foula. Ouais, où t'en es? Tu es venu chercher quoi? C'est-à-dire? Mais tu m'as tué? Mais, et pourquoi? Pour venir chez toi, il faut que je demande la permission avant de venir. Mais comment tu peux venir comme ça là? Oh, mais je suis en séminaire, j'ai préféré dormir en famille. Je sais que je suis là. Mais viens, Foula, il faut dire que tu m'as tué. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah bon, c'est ça? Non, je t'ai posé la question, mais je sais pourquoi je t'ai posé la question. Bon. Essaie, tu ne peux pas t'affaire de téléphoner avant de venir. Mais comment pour venir chez toi, je vais te téléphoner? Tu n'es plus mon grand frère? Si, tu es mon petit frère. Non, écoute, il ne faut pas faire, faut pas avoir des idées non, comme non. ça. C'est pas comme ça, parce que... Est-ce que toi-même, tu vas changer un jour? Tu veux changer comment? Non, mais écoute, tu as des bureaux communaux partout.
Mais hein? Je t'ai dit ça, tu m'as dit. Tu n'as pas me dit que tu n'as pas de bureau régionaux. Moi? Non, c'est ça, c'est avant ça. Quel avant? Non, écoute, grand frère, il faut changer. Parce que tu as une femme, une belle femme à la maison qui te comprend, votre foyer est stable, il faudrait que toi aussi tu modères un peu ton non, 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 moi vraiment je n'aime pas ton langage. Tu prends mon nom pour voyager, même pas voyager, même pour rester. Bureau communal. Bureau communal. Lisaka, tu vas pas faire ça quand même. Lisaka. Non, Lisaka, là tu m'as déçu, c'est pas possible. Tu m'as déçu. Non, non, il faut l'appeler. Hein? Non, Lisa, tu vas pas faire ça. Regarde ce qu'elle a fait là. Regarde ce qu'elle a fait là. Non, chez nous, ça n'existe pas. Tiens, il faut lire ça. Ça me. Tiens, j'ai dit lire ça. Tiens, tu vas tout comprendre. Non, c'est pas pour rien. Bureau communal, bureau communal. Ça, c'est un mouton que tu dois donner. Non, 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 ça là, je ne peux pas. Non, écoute. Il faut lire. Je paye mon casque. Alors que mon pauvre agent d'Aloco, il prend pas donner à sa maîtresse. C'est pas à qui il faut donner raison, à qui il faut donner tort. Nielo comme ça. Ça, c'est pas à qui il faut donner raison, à qui il faut donner tort.